L'équipe, salam alaikum, ben j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, les smitha, vrai ou faux, sahih ou la khata. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent autour de la nutrition, de la musculation. Donc je suis là pour ça et pour casser certaines idées reçues. Bref, vous avez posé poser la question à dire, le jaune d'œuf, est-ce que c'est bon? Le jaune d'œuf, est-ce que c'est pas bon? Le jaune d'œuf, le cholestérol, le mauvais cholestérol. Le jaune d'œuf, est-ce que c'est mauvais pour la santé? La réponse est non. No! Cet œuf-là contient le blanc qui est concentré d'albumine, c'est-à-dire le blanc d'œuf. Il y a le jaune. Le jaune, c'est quoi? Le jaune, c'est le concentré de fertilité. Vous allez trouver le jaune. Le jaune, vous allez trouver tout ce qui est nutriments essentiels. D'accord? Vous allez trouver les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. D'accord? Vitamines, minéraux, elle est comme c'est le plus important pour métabolisme des protéines, lipides et glucides. D'accord? Donc sans les minéraux et les vitamines, vous allez avoir du mal à absorber ces protéines. Les protéines, nous avons principalement dans le blanc, ça on le sait. Les BCA, les Branched Chain Amino Acids, on va les trouver principalement dans le blanc. C'était pour démystifier un petit peu cette idée reçue sur le jaune d'œuf. Donc le jaune d'œuf, c'est votre ami. Le cholestérol, c'est votre ami. Ça, le cholestérol diabolisé à travers ce cholestérol qui est notre ami. Et ça va faire office d'une nouvelle vidéo, inchallah. Bon, et là, c'est comme la vidéo. N'hésitez pas à partager, like, pouce bleu, gauche, happy tout, des commentaires. Welcome to Allah, faire comme. Salam alaikum, rahmatullah. Look, look. Oh. No excuses.